Tu as déjà entendu parler de la peur de l'échec. On, on en entend beaucoup parler. Mais il y a aussi une autre peur, une autre réticence, quelque chose qui vient créer de la friction et qui peut nous gâcher. On peut même se gâcher soi-même, souvent c'est ce qui se passe. On se gâche soi-même à cause d'une autre peur. Et ça, je vais l'illustrer avec une petite histoire qui m'est arrivée l'été dernier quand je donnais un stage de capoeira dans une colonie de vacances euh, où les gens faisaient du cheval. Donc, moi, je m'occupais d'un petit groupe à ce moment-là où il y avait deux personnes, deux copines, deux très bonnes copines, toujours collées ensemble, qui se connaissaient aussi en dehors de la colo. Donc, hyper bonne dynamique. On commence à s'entraîner, pam pam, on commence à faire les coups de pied. Il y en a une qui était un peu plus raide et l'autre qui était assez souple au moment de donner les coups de pied. Ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, on faisait des roues dessus une corde en traversant la salle donc on passait on s'exposait au regard de tout le monde la première passe et fait une roue en tombant par terre à la fin elle lâche complètement la roue la deuxième sa très bonne copine fait exactement la même chose il se passe la même chose je trouve ça bizarre parce que le départ semblait bon les coups de pied qu'elle m'avait proposé avant étaient bons mais la roue était au rendez-vous. Du coup, on repasse une deuxième fois et je le refais pour reconfirmer un petit peu cette espèce de petite intuition qui commence à naître en moi. Et là, je comprends. C'est-à-dire qu'elle refait une deuxième roue, elle n'y arrive pas, et sa copine refait une deuxième roue, elle n'y arrive pas non plus. Et là, je suis en train de me dire, parce que dans les deux, il y avait un caractère un peu plus fort et un caractère un peu plus effacé. Et je prends à part celle qui a un caractère un peu plus effacé, enfin de, à part, je, je, je m'adresse à elle devant tout le monde, je lui dis, est-ce que je peux te challenger Elle me dit oui, en pensant que j'allais lui faire faire un mouvement. Et à ce moment-là, je commence à lui dire que je sais qu'elle est capable de faire une roue, mais qu'elle ne fait pas de roue pour pouvoir être acceptée par sa copine. j'ai cette intuition qu'elle sait faire une roue et qu'elle sait faire une très belle roue, mais qu'elle ose pas faire sa roue pour pouvoir être acceptée par sa copine parce que dans sa tête, j'ai vu le fait que si elle faisait mieux la roue que sa copine, ben sa copine allait mal le vivre et du coup, allait un petit peu la mettre de côté. Et donc ça, c'est une peur qu'on a souvent, c'est la peur de réussir. C'est j'ai quelque chose en moi mais j'ose pas le faire parce que je vais être rejeté par tout le monde. On a tous cette image du, du premier de la classe, du faillot. Quelqu'un qui réussit, c'est tout de suite quelqu'un qui va être mis à l'écart. Et cette mise à l'écart-là, on l'a aussi dans la capora. Et tout de suite, il faut vraiment s'en libérer. Il faut vraiment s'en défaire et s'en émanciper. Il faut lâcher ça. On sait faire quelque chose, on le fait. C'est tout. Mais par contre, ça ne veut pas dire qu'on est meilleur que l'autre. Ça ne veut pas dire qu'on est mieux. Ça ne veut pas dire qu'on est au-dessus. Ça veut juste dire que ça, on sait le faire. Et si on sait le faire, on se doit de le faire. C'est tout. Ni plus, ni moins. Tu sais comme dans l'audio du mardi où je t'avais parlé de faire de son mieux. Faire de son mieux, c'est faire de son mieux. Mais pas moins. Pas plus. Mais pas moins. On se doit de le faire. Je sais faire une belle roue. Je fais une belle roue. Et c'est ce que je lui dis. Tu sais faire une belle roue. Je suis sûr que tu sais faire une belle roue. Trouve le courage de le faire. Fais-le. Même si ça ne plaît pas, même si tu penses que ça ne peut pas plaire, même si tu penses que ça peut faire de l'ombre, non, fais-le. Parce qu'en le faisant, tu vas autoriser les autres à réussir à le faire. Et si tu sais faire quelque chose, c'est génial. Parce que tu vas pouvoir aider beaucoup plus de monde, ne serait-ce qu'en le faisant. Et aussi, ensuite, en transmettant, en allant voir les personnes, en aidant, en donnant des conseils, en donnant du soutien, de l'encouragement. C'est comme ça que ça passe. Ce pas en se diminuant soi qu'on va réussir à faire augmenter les autres. Parce que là, on va rester dans une échelle qui va être très basse. Alors que si je dis, OK, je sais faire une grande roue, OK, je vais prendre de l'importance, par contre, je vais essayer de ramener tout le monde avec moi. Ça, c'est important. Pas de honte à être en bas et pas de gloire à être en haut. C'est vraiment ça le cadre. Et du coup, elle a été challengée par rapport à ça, donc émotionnellement... Elle a essuyé quelques larmes parce que je touchais quelque chose qui était euh, important pour elle d'être acceptée par sa copine et du coup elle est partie faire une roue et là elle a fait une roue mais les, les roues de gym les très grandes roues très souples magnifiques c'est ça que je voulais partager avec toi je l'ai pas enrobé l'histoire comme j'aurais pu l'enrober mais je veux vraiment que tu comprennes que ça arrive souvent qu'on se diminue alors qu'on sait faire des choses alors qu'on sait répondre à quelque chose tout simplement parce qu'on veut être un petit peu comme tout le monde mais sauf qu'à être un petit peu comme tout le monde à vouloir être accepté un peu par tout le monde on devient moyen et en devenant moyen on devient médiocre et c'est pas ça qu'il faut aller chercher il faut aller chercher je sais faire quelque chose je connais quelque chose je le fais je le montre et ça ne veut pas dire que je me mets dans une position où je suis au-dessus des autres. Non, ça me met dans une position où je donne envie aux autres et je vais transmettre cette envie-là aux autres. Et je vais tendre la main aux autres. On a peur d'échouer, oui. Et très souvent, on a peur de réussir. Mais les deux rejoignent un élément clé qui est l'acceptation. Et le but, en tant que prof de Capora, c'est créer un cadre dans lequel, peu importe que tu réussisses ou peu importe que tu rates, tu seras toujours accepté. Et ça, c'est hyper important. De dégager le, le, la récompense du résultat et la mettre dans le processus. C'est ça qui est important. Tu réussis à faire un mouvement super. Ça ne va pas révolutionner la, la rotation de la Terre. Tu rates un mouvement super. Ça ne va pas révolutionner la la rotation de la Terre. Par contre, est-ce que tu y vas ou est-ce que tu n'y vas pas Ça, ça peut changer ta trajectoire de vie. Ça, ça peut faire la différence entre je fais des efforts et je m'interdis de faire le moindre effort parce que je ne sais pas ce qu'on va dire de moi, on va peut-être me critiquer parce que j'ai réussi ou parce que j'ai raté. L'acceptation du groupe, elle est très importante à ce niveau-là. Donc il faut se détacher complètement du résultat et mettre toute notre énergie sur le processus. J'essaye de faire quelque chose et du coup c'est là où je vais avoir la récompense. Pas le fait de réussir, pas le fait de rater, ça on s'en moque. La peur de l'échec, la peur de réussite, tout ça, ça se rejoint au niveau de l'acceptation du groupe, l'acceptation par les autres et plus particulièrement pour pour cette jeune fille là de sa copine. C'était ça son acceptation à elle. C'était ça son, son plafond de verre. Et elle a brisé son plafond de verre, elle a vu que sa copine était super fière d'elle, et oui, elle a donné envie à sa copine de faire des roues de plus en plus, de plus en plus. Donc là, on crée quelque chose qui tire les gens vers le haut. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, je serai ravi de répondre, et on se voit à la semaine prochaine pour le prochain audio.